vie des contrôles de projets de port en eau profonde des bananes. L'accélération dans les préparatifs du lancement des travaux de construction de ces ports, dont les travaux se feront à 4 phases, avec une première phase de 600 mètres de queue tirant d'eau de 18 mètres, ainsi que parc en conteneurs et marchandises générales de 30 hectares pour une durée de 18 mois, a été examiné par la délégation du BUCCO conduite par son coordonnateur exécutif Karambou Mandungubula, assisté par ses adjoints. Des travaux qui seront exécutés par la société DP World, cette structure était tour à tour du 20 au 21 septembre dernier au ministère de la Défense nationale, à la Direction générale des douanes et assises, à l'état-major des forces armées, corps du génie militaire, au ministère des infrastructures et travaux publics, mais aussi au ministère du portefeuille. Il est de l'obligation de la RDC ou du gouvernement congolais de remettre en état cette route selon certaines spécificités techniques et caractéristiques pour qu'elle puisse supporter le transport et le flux de Kinshasa à Banana et de Banana à Kinshasa lorsque le port sera érigé. On a échangé essentiellement ensemble de manière à ce qu'on puisse tous les deux travailler en parfaite harmonie, de manière à ce qu'on puisse respecter les délais qui sont imposés aussi bien par la convention elle-même. Ce port d'une longueur de 1600 mètres comportera 5 quais d'un tirant d'eau de 18 mètres de profondeur et permettra à la République démocratique du Congo d'avoir accès à nos mers et d'imparter désormais le commerce international sur les côtes ouest de l'Afrique. Pour rappel, c'est le 31 janvier dernier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des ports.